Et rebonjour à tous et bienvenue, je suis MDG Normandie, donc je vais tourner à la suite, même si je risque d'être dérangé dans l'air là. Mais voilà, j'ai envie de tourner, donc je vais tourner. Donc on va continuer cet arc, donc qui promet d'être long. Donc okay. Ah, génial, ils ont mis le truc de. Pour dire qu'ils ont atteint les 18. Les 18 millions. Ok, donc j'ai juste changé comment c'était Love par Kensei 4 étoiles, voilà, donc mais je vais le faire up un petit peu. Lisa, je peux pas la faire augmenter plus, mais je la garde dans l'équipe au cas où Stark tomberait. Bon, voilà, j'ai un personnage niveau 55 qui pourrait se suivre derrière. Il y a très peu de chances pour que Stark tombe, clairement, hein, niveau 150, 100% de 100% d'arbre de compétences. Honnêtement, je pense que voilà, on va quand même torcher les niveaux assez rapidement. Ce qui nous intéresse, c'est l'histoire, hein. Soyons clairs, si vous regardez cette série, j'espère que c'est pour l'histoire plus que pour le gameplay. Parce que voilà, après je compte faire peut-être des lives sur les quêtes événements. Il est possible que je fasse 2-3 quêtes sur les événements. J'ai une petite idée de comment faire. Ça se passerait sur Facebook. Rediffusion sur YouTube, je sais pas. Je verrai si je peux le faire. Mais ben voilà, je suis en train d'étudier la question, savoir si je fais des lives avènement. Quoi qu'il en soit, ça arriverait après la fin de cette série, du moins après la fin de cet arc. J'annonce, je ferai certainement des quêtes avènement. Voilà, enfin des lives avènement. Voilà, donc où on pourrait même faire de la coop, hein, enfin oui, d'ailleurs ce sera certainement de la coop. Donc là, préparez vos orbes, parce que là, clairement, les mecs qui résument pas pendant les quêtes événements en coop, n'y pensez même pas, quoi. Vous allez vous faire pourrir. Enfin, voilà. Donc on continue, je suis encore un petit peu sur mon heure d'expérience. Je la renouvellerai si besoin est. Voilà. J'ai pas lancé le spin des 250 orbes là pour essayer d'avoir des personnages. J'aurais peut-être dû. Parce que là, de toute façon, je vais avoir suffisamment d'orbes pour par la suite continuer mes quêtes d'avènement. Là, j'attends juste que la prochaine quête avènement de Neliel apparaisse. Neliel 4 étoiles. Pour pouvoir. Voilà. Pour pouvoir monter mon personnage Niel 6 étoiles au maximum. Puis après, voilà quoi. D'accord, je voyais pas le. Je me méfie parce qu'il déconne zéro normalement niveau dégâts. Bon, là il est que niveau 40, il devrait pas me faire énormément de dégâts, mais. Mais je m'en méfie comme de la peste de ces mecs-là. Ok, j'ai un personnage 3 étoiles qui vient de dropper, donc ça c'est cool. Y a pas une, on n'a pas eu de cinématique au départ concernant le combat qui se déroule normalement. Mais bon. Oh, les relous. Bon, et Stark qui utilise son attaque renforcée inutilement, mais bon. Des choses qui arrivent. Ok.
Ok, j'ai un autre personnage 3 étoiles qui vient de dropper. C'est cool. Ok, je l'achève. Voilà, comme ça. Ok. Donc 5 étoiles de plus. Enfin, 5 orbes de plus. Ouais, c'est cool, c'est cool. Bon, c'est pas suffisant pour lever encore la limite de Lisa, mais bon. J'aurais au moins 4 personnages 3 étoiles, je pense. Alors, les Shinigami protègent Ichigo, leur dernier atout est affront Aizen. Feront-ils le poids face à sa puissance effrayante? Ok. Ouais, donc on continue. J'ai prévu 50 tickets hein, pour cette quête, sachant que bon bah quand on aura quand on aura tué 100 ennemis, je vais pouvoir récupérer 10 braves tickets, ce qui me permettront par la suite d'avoir 10 tickets supplémentaires, ce qui fait en réalité que j'ai 60 tickets faciles pour terminer cet arc. À mon avis, c'est plus que suffisant, surtout s'il y a beaucoup de cinématiques, donc y a pas de soucis quoi. Voilà, voilà. Alors, Ichigo Kurosaki, je te remercie. Tout à l'heure, si tu n'avais pas attaqué Sosuke, je lui aurais sauté dessus de colère et je me serais fait tuer. Merci. Pourquoi t'as pas ramené Orihime? Elle nous aurait regonflé en un clin d'œil. Et on aurait pu s'attaquer à Sosuke en pleine forme. Shinji. Mais bon, vu que tu es revenu avec le capitaine Onohana, je te pardonne. Note, c'était sûrement le meilleur choix pour ce combat. Lisa Rose Love. Oh, cette image là, elle a trop la classe. Là, avec Lisa Love et Rose qui sont comme ça côte à côte là. Ouais, elle est géniale cette image. Allons-y. Tu vas rester planté là. L'ouverture ne durera qu'un instant. Ne laisse pas passer ta chance. Ne te méprends pas, nous ne sommes pas suicidaires. Notre survie est en jeu. Ne traîne pas trop. Et capitaine, attendez. Voilà. C'est vrai, pour qui je m'inquiète? Pour les Evizar et les capitaines? J'ai confiance, je peux me reposer sur leur force. Ah, attendez, me dites pas qu'il fallait le faire en... sans auto... Non, faut le faire en normal. Je sais pas pourquoi il m'a désactivé mon mode auto. Ok, ok. Bon, bah, c'est encore des... D'accord, donc là, c'est beaucoup de cristaux de défense, visiblement. Ok. Alors, je sais pas si c'est vraiment parce que j'ai up mes personnages à fond que le jeu me paraît facile, mais ils me font quasiment aucun dégât, quoi, les mobs, quand ils me touchent. À mon avis, ils ont dû revoir le niveau quand même, parce que je me souviens, j'ai galéré à certains passages du jeu. Mais... En même temps, avec Stark, il est balèze, hein. Un autre personnage qui est super cheaté dans le jeu, bah, je crois que j'en avais parlé pendant les deux épisodes de hors-série, je crois que le personnage le plus cheaté dans le jeu, après les versions ultimes de Aizen et de Ichigo, y a Stark et surtout il y a Sodenoi Shirayuki. Honnêtement, elle est méga balèze en personnage. J'aimerais bien l'avoir parce qu'elle est super puissante, quoi.
Sodenoï, je vous rappelle, c'est le Zanpakuto de Rukia. Sosuke, j'ai entendu ton sabre est guidé par le sens du devoir, un tel sabre ne pourra pas me toucher. Tu sembles ignorer une chose. Brandir son sabre par devoir, c'est ce que fait un capitaine. Le brandir par haine, ce n'est que de la violence immonde. Ce n'est même pas se battre. Sosuke, tu viens juste de prouver que tu n'as rien d'un capitaine. C'est amusant. Je ne m'attendais pas à de tels propos de la part d'un capitaine qui me hait le plus. Essayes-tu de me faire croire que tu ne ressens aucune haine? C'en est grossier. Nous étions en train de discuter, capitaine Kyoraku. J'ai du mal à écouter un homme parler sans broncher. Là, je m'ennuyais déjà. Bankai. Donc Itsugaya qui sort son Bankai. Évidemment. Tu avais raison, Sosuke. Ma lame déborde de haine. Je suis pas venu ici pour me battre. Je suis venu t'écharper. Alors, c'est bizarre. Il me semble qu'il y a un truc qui a été cité parce que normalement, voilà, Itsugaya perd froid parce que normalement, à la fin de la phrase de. Comment de Kisuke précédemment, là. Voilà, ne me parle pas de haine, enfin voilà tout ça. Normalement, il prononce le nom de Inamori. Et c'est ça qui met en colère Toshiro. Dans le manga, il me semble que ça se passe comme ça. Il me semble que Aizen dit ça me semble étonnant de la part du capitaine qui m'aime le plus. Et puis, il fait une allusion sur Inamori. Et c'est ça qui énerve Toshiro. Parce que voilà, Toshiro et Inamori. J'espère vraiment que dans la suite du manga, dans la version papier, il y a un couple Inamori Toshiro. Hein. J'espère vraiment. Hein. Je ne suis pas ici, venu ici pour me battre, je suis venu pour t'écharper. Voilà, mais bon. Hop. Ah si, ça c'est un couple de la Soul Society que je veux voir. Hein. Toshiro Inamori. Je trouverais dommage que ça se fasse pas. C'est fini, Sosuke. Alors. Voilà, en gros, il y a une grosse bataille qui s'affronte. Tout le monde affronte Aizen. Et Toshiro transperce Aizen. Sauf que c'est une illusion, mais vous allez le voir. Et merde. Ils l'ont eu. Ils ont réussi. Les capitaines l'ont enfin battu. Voilà. Et la fameuse Inamori dont on parlait se lève. Momo, tu es déjà remise. Momo. Et où tu vas? Voilà. Momo se dirige vers Aizen. Le vent a enfin tourné. Les gars, bon sang, qu'est-ce que... Voilà. Et là, Ichigo, qui n'est pas sous l'effet d'illusion, hein, gueule... Enfin... se met à hurler, bon sang, mais qu'est-ce que vous faites? Pardon pour la toux. Voilà, et en fait c'est Inamori qu'ils ont traversé. Alors on sait pas comment Aizen s'y est pris, hein, pour mettre en scène une telle illusion. Mais c'est Inamori qui s'est fait transpercer par le sabre de Toshiro. Depuis quand? Voilà. Depuis quand? C'est une bonne question. Le pouvoir de mon Zanpakuto est l'hypnose absolue. Je peux manipuler vos cinq sens. Alors, je vais essayer de le dire pour vous faire plaisir. Le pouvoir de Kyoka Suigetsu. Voilà. Kyokwasi. Faut que je m'exerce à le prononcer. Hein. Kyokwasi. Ah bon, voilà, merde. L'hypnose absolue. Je peux manipuler vos cinq sens et vous faire voir ce que bon me semble. Je peux savoir depuis quand tu te sers de ton Zanpakuto contre nous. J'ai aussi une question. Quand as-tu commencé à imaginer que je ne l'utilisais plus? Voilà. Voilà. Et là, Itsugaya, avec le coup qu'a fait Aizen, là, il devient mais complètement taré. Il va foncer tête baissée sur Aizen, mais se faire... Bah, comme...
Comme dans les premiers arcs où Itsugaya, la première fois qu'il sort son Bankai contre Aizen, c'est la même chose. Il fonce tête baissée contre Aizen le blesse. Là, c'est exactement la même chose. Donc, Kyoraku, Shunsui qui lui dit Toshiro, arrête. Voilà, et donc Aizen arrive à blesser tout le monde. Je vais pas vous tuer. Et grâce à votre puissance, vous allez survivre sans perdre conscience. Regardez bien ce combat. Vous allez y assister cloué au sol, incapable d'agir. Donc, quasiment tous les capitaines sont au sol. Les vice-capitaines essayent de soigner les blessés, peuvent pas réellement se battre. Enfin voilà, c'est le bordel quoi. Ok, et donc il reste un capitaine encore debout. S'il reste encore un capitaine debout, c'est même plus qu'un capitaine parce que c'est le commandant. C'est le commandant Yamamoto. Voilà. Yamamoto se dresse enfin face à Aizen, armé du plus puissant des Zanpakuto, Ryujin Jaka. Il s'apprête à terrasser son adversaire quand. Quand. Hop, on prend le suivant, 9 minutes, c'est bon, ça devrait le faire. Voilà, j'aime bien ce fond d'écran là de Noël qu'ils ont fait, c'est tous les personnages 5 étoiles, 6 étoiles qui peuvent être acquis là pendant la loterie de Noël. Et je trouve assez sympa le design des personnages, honnêtement ils sont très bien dessinés. Je trouve super sympa. On trouve Azoporo, on trouve Lisa à droite. Derrière on trouve la Wizard là, dont je me souviens jamais du nom là. La copine à Shinji. Pardon. Inamori. Non. Non, Inamori, c'est Inamori Momo. Bon, voilà. Le commandant en chef entre enfin en scène. Mais il est trop tard. Tu es le seul capitaine encore en état de se battre. Et ta chute entraînera la disparition des 13 divisions. Tu as laissé passer ta chance. Tu aurais mieux fait de ne pas venir. Ne joue pas au plus malin, petit. Tu te crois vraiment assez fort pour pouvoir m'entailler? Ok, donc on a encore un niveau classique. Et allez, de toute façon, on va le voir au cours de cet épisode. C'est ici que Wonder Waste va rentrer en scène. Je vous avais dit que Wonder Waste allait avoir un rôle très précis et relativement important. Vous allez voir ce que c'est. Ok. Oh, ça fait une belle minute de blanc là. J'ai laissé. Je viens de voir ça dans Audacity. Bon, enfin, ça c'est un niveau, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça me fait gagner des orbes, ça fait gagner des cristaux. On est content. Niveau 41, ça monte un petit peu. Ce pouvoir là parce on s'en sert pas, enfin comment Stark s'en sert très très peu.
Ok, c'est bon. On y va. Ah oui, alors vous avez vu cette forme-là du Chigo que j'ai en allié, c'est la forme que vous verrez à la fin du manga. Si vous... Normalement, vous avez tous vu le manga. Je veux dire, vous n'allez pas vous taper 31 épisodes d'un jeu que vous connaissez pas si vous n'avez pas vu la série. À mon avis, voilà. À mon avis, si vous regardez ma série, c'est aussi pour, voilà, pour la nostalgie du manga. J'ai raté ma chance. C'est tout l'inverse, je viens de la saisir. Enetsu, Jigoku. Ce combat n'avait qu'un seul but, me permettre d'utiliser ceci. Tu vas périr avec moi dans cet enfer de flammes. Et tes hommes, ils vont finir carbonisés par ton sort. Ils y sont préparés. Se sacrifier pour vaincre le mal, c'est ça l'esprit des 13 divisions. Voilà, Wonderwise qui intervient. Pourquoi le feu de Ryojinjaka s'est-il éteint? Je t'explique. Ryojinjaka est le plus puissant de tous. En combat régulier, sa puissance surpasse la mienne. Mais vois-tu, si on abandonne tous les pouvoirs pour se concentrer que sur un seul, alors on peut tout surpasser. Je te présente Wonderwise. Il est le seul à rencard modifié et sa résurrection se nomme Extinguir. Il a été créé dans le seul but de sceller Ryujinjaka et rien d'autre. Pour obtenir cette capacité, il a sacrifié la parole, la connaissance, la mémoire et même la raison. Il a obtenu ce pouvoir bien étrange, ce pouvoir en échange de tout le reste. Tu ne peux pas lutter. Adieu, Ginryosai Yamamoto. Peuh. Tu crois bloquer Ryujinjaka suffira pour me battre? Quelle naïveté! Ça donne le vertige. Pourquoi crois-tu que je commande les 13 divisions depuis 1000 ans? C'est parce qu'aucun Shinigami ne m'a surpassé. Bon, je veux dire quand même, c'est la forme Ichigo Mugetsu qui est là. Alors, on l'appelle comme ça, et au moins le nom peut pas vous donner. Comment, on peut pas vous spoiler si vous avez pas vu le manga. Voilà, donc ils ont sorti, oui, Ichigo Mugetsu est sorti en version sur le jeu. Donc, wow. J'ai vraiment envie de l'avoir. Ça fait deux loteries que j'essaye de l'avoir et j'arrive pas à l'avoir. On ne lui avait pas retiré ses sensations. C'était inutilement cruel. Cruel, pourquoi une âme devenue holo est perdue? Ce serait cruel de redonner un sens à son existence. Ne serait-ce pas plutôt toi qui ai fait preuve de cruauté en la réduisant en miettes? Je ne perdrai pas mon temps avec des inepties. Des inepties, si tu me prenais au sérieux, peut-être que tu entendrais mes paroles. Que veux-tu dire? Je t'ai prévenu, Extinguir existe que pour sceller les flammes de Ryojinjaka. Et où sont-elles scellées? Bravo, tu es digne de ton rang. Si tu ne t'étais pas interposé la surface réduite. Si tu ne t'étais pas interposé, la surface réduite en cendres aurait dépassé la ville. Je te remercie, Ginryosai Yamamoto. Grâce à ton intervention, mon monde a été protégé. Combien de fois faudra-t-il le répéter, petit? Tu es trop naïf. 96e technique de destruction, crémation en une lame. Alors ça c'est une technique de Kido qu'utilise le commandant mais qui est considérée comme interdite.
En fait, le commandant Yamamoto là vient de sacrifier son bras gauche pour balancer cette technique et blesser Aizen. Ok. Bon, pour le moment, ça se fait, ça se fait. Quête suivante, on est à 25 minutes, on a le temps. Enfin, normalement, on a le temps. Ouais. Ok, une petite cinématique. On va se replonger encore dans l'histoire. Ok. Je l'ai sous-estimé. Il n'a pas hésité à se servir de son corps meurtri comme une arme. Getsuga Tensho. Et là, il y a Ichigo. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, je tousse hein, régulièrement. C'est pour ça que je coupe mon micro. Je n'ai pas terminé. Tu as raté ta chance de me tuer. Je ne t'offrirai pas d'autre opportunité. Mais c'est l'Ogyoku. Ta pression spirituelle, impressionnant, elle a bien progressé comme je l'avais prévenu. Alors là, ça se voit pas, mais comment? En fait, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé parce que ça a été assez rapidement. En fait, Ichigo a mis son masque de holo et a balancé un Getsuga Tensho contre Aizen. Le Getsuga Tensho a bel et bien entaillé Aizen au niveau de l'épaule gauche, mais il s'est mis tout de suite à se régénérer et la pression spirituelle d'Ichigo ressort de la blessure. En fait, c'est parce que voilà, Aizen a fusionné avec l'Ogyoku. Impressionnant, elle a bien progressé comme je l'avais prévu. Comment? Ah oui, alors. Voilà, donc là, Aizen va essayer. Enfin, comment? Raconte une histoire un petit peu qui paraît un peu grosse. On sait pas. Beaucoup vont la. Enfin, comment? Moi, j'ai des doutes sur cette histoire. Comme quoi, Aizen aurait tout calculé au sujet d'Ichigo. Ça me semble gros comme histoire, mais on va quand même la raconter. Alors, ta rencontre avec Rukia Kuchiki et ton premier combat contre Ryu Ishida ont révélé ton pouvoir de Shinigami. En affrontant Renji Abarai, tu as découvert ton Zanpakuto. Enfin, le nom de ton Zanpakuto. Contre Zaraki Kenpachi, tu as maîtrisé les bases du Bankai. Contre Byakuya Kuchiki, tu as libéré ton Holo. Un holo que tu as dompté en te battant contre Grimujo. Et contre le Kyura, tu as obtenu un pouvoir bien plus grand encore. La forme vasto des Lordes. Ichigo Kurosaki, tu as livré tous tes combats dans la paume de ma main. Tu étais derrière tous les combats que j'ai livrés. Comment ça, je ne comprends pas. J'attends une explication. Ce n'est pas si surprenant. C'est simple, tu étais un cobaye de premier choix pour mes recherches. Après des vérifications, j'ai pris en main ta progression. Ça ne t'a jamais étonné? Tu n'avais jamais vu un holo de ta vie, tu rencontres Rukia Kuchiki et il en apparaît un. Un Quincy pose un appât à holo et il attire un Menos Grande. Tu t'habitues à tes pouvoirs de Shinigami et soudain la Soul Society parvient à retrouver Rukia Kuchiki. Et Renchi Abarai, Kenpachi Zaraki ou Byakuya Kuchiki, autant d'adversaires que tu as combattus au moment où tes pouvoirs rivalisaient avec les leurs. Rien ne t'a interpellé? Ces rencontres étaient fortuites. Attends. De simples coïncidences? Attends, voilà. Je croyais que tes victoires étaient... Tu croyais que tes victoires étaient le fruit de tes efforts. Tu mens. Tu étais derrière tous mes combats. Tu as tout manigancé comme si j'allais comme si j'allais croire ça. Et je suis un peu comme Ichigo, j'y crois pas. Enfin voilà. J'y crois pas à son histoire, Aizen. À l'époque, si tu as dit que tu n'avais... À l'époque, tu as dit que tu n'avais remarqué Rukia qu'après sa disparition dans le monde des humains. Et là, tu me dis que tu le connaissais avant la... Attends. Tu dis que tu me connaissais avant notre rencontre, ça ne colle pas. C'est intéressant.
Là, tu m'accuses de mentir, mais si je n'ai, mais si je t'ai bien compris, à l'époque, je ne mentais pas. C'est bien cela. Qui a envoyé Rukia Kuchiki en poste dans le monde des humains? Qui a donné à Renji Abarai de quoi les détecter? Qui a transmis aux officiers les informations de votre progression? Tu crois vraiment qu'en 100 ans, je n'ai pas eu le temps de retrouver le Hōgyoku? J'ai une question à te poser. Tout à l'heure, tu as dit que j'étais un cobaye idéal pour tes expériences. Pourquoi en étais-tu si sûr? Tu me regardes depuis que j'ai rencontré Rukia. À quel moment exactement en as-tu été certain? Dès le début, je te connais depuis ta naissance. Quoi? Tu as été spécial dès la naissance parce que tu es humain et tu parles trop. Et là voilà, Isshin fait son apparition. Donc le père d'Ichigo apparaît en Shinigami devant Ichigo. Là, ça fait un choc à Ichigo, hein. Donc, Sosuke. Ok, quest clear. Ouais, une demi-heure, on va continuer. Voilà. Vêtu d'un uniforme de Shinigami, Isshin apparaît aux côtés d'Ichigo. Sans lui laisser le temps de l'interroger, il éloigne Aizen. Il éloigne d'Aizen. Ok. On va reprendre. Je sais quoi là. Ouais. Allez, on va reprendre une heure de level up. Enfin, de bonus d'XP. Juste pour Kensei. Pas trop rentable, mais bon, je vous dis, j'ai 2 millions de cants là grâce au. Oh là là, j'en reviens toujours pas. Le cadeau qu'ils ont fait aux joueurs pour les 18 millions de téléchargements. Alors là. Honnêtement, merci Calab. Bah, vivement les 19 millions. Téléchargez le jeu, allez-y. Téléchargez le jeu. Qu'on ait les 18 et qu'on ait les 19 millions prochainement. Parce que tu es humain et. Humain et quoi? La fin a été couverte par l'explosion, j'ai cru la rater. Mais je n'avais pas besoin de l'entendre. La réponse est sous mes yeux. Parce que tu es humain et. Papa, c'est toi? Voilà, donc, Eh, dis quelque chose, papa. Enfin, voilà. Voilà, bon. Arrête, t'es dégueulasse. Je sais plus ce qu'il fait, là, si il fait le truc du. Enfin, je sais plus ce qu'il fait, s'il fait le coup du doigt mouillé ou une tournée comme ça. Enfin, il fait un truc comme ça. Tu t'écartes de moi, sage décision. Hop, ok. Enfin voilà, Sajin, quoi qu'il, enfin Isshin, quoi qu'il arrive, éloigne Ichigo de d'Aizen, enfin s'en vont et s'éloignent d'Aizen. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Enfin, moi je sais ce qui se passe. Hein. Évidemment, si vous avez vu la série, vous savez ce qui se passe après, mais bon. Allons-y. Hop. Ok. Ok, il utilisait son attaque SP pour rien, mais bon. Allez.
Oh zut, j'ai voulu l'esquiver, mais ça a raté. Bon. Parfois, je sais pas, j'ai l'impression que... Comment? Je sais pas comment ça se fait, parfois, j'essaye d'esquiver et ça marche pas. C'est bizarre, j'ai l'impression que parfois, c'est pas très réactif. Ok. Ouais, là par exemple j'ai appuyé sur le... Comment? J'ai appuyé sur le bouton ulti, il y avait 30 secondes quoi, enfin il y a eu une grosse seconde de 10... Ouais, il y a eu une grosse latence de 10 secondes entre le moment où j'ai appuyé et le moment où c'est apparu quoi. Je sais ce que tu veux me demander, mais pour le moment, ferme... Voilà, ferme-la. Merci, je suis pas idiot, mais tu m'étouffais. Ah d'accord, pardon, enfin voilà, bon. Donc, en fait, Ishin, ce qui se passait, c'est comment... Il avait mis sa main devant la bouche d'Ichigo pour que Ichigo ne dise rien. Et puis Ichigo était là en train de faire... Et puis en fait, c'est parce que Ishin, en fait, était plus en train d'étouffer son fils que d'essayer de le faire taire, quoi. Tu dois avoir une montagne de questions, pré-parler et... Non, je n'ai rien à te demander. Tu n'as rien dit, mais tu devais avoir tes raisons. C'est toi que ça regarde. Je suis incapable de demander... je suis incapable de demander sans piétiner tes sentiments et de les traîner dans la boue. Donc j'attendrai que tu aies envie d'en parler... ou que ce soit le bon moment. Si tu ne dis rien si tu ne dis rien avant, ça me va. Bon. Tu es devenu un sacré beau parleur. Voilà. Alors, juste, voilà, juste pour remettre un petit peu le background d'Ishin. Hein, donc, Ishin, en fait, ne s'est pas transformé en Shinigami depuis la... depuis la mort, en fait, de sa femme, dont le nom m'échappe toujours. Donc là, Isana, je crois. Je crois qu'elle s'appelle Isana. Un truc comme ça. Enfin, voilà. Donc la mère d'Ichigo, hein, simplement. Donc depuis sa mort, en fait, Ishin ne s'est pas retransformé en Shinigami. Et il est réapparu que lors de l'apparition des Arrancars. Voilà, c'est en gros le truc. Alors, juste, on va faire une toute petite pause là. Ah, quoi que j'aurais pu la faire après, remarque. Juste pour essayer de monter Lisa... enfin, juste pour essayer de monter la limite de Lisa. Allez, charge. Là, alors. Chico. Ouais, je peux la monter en limite. Hop. Ok, c'est cool, ça fait 5 niveaux de plus. Dès qu'elle a le niveau 70, au moins, je peux... je récupère 35 orbes. Donc voilà. Allez, on continue. 38 minutes. Ouais, allez. On va faire une dernière quête. Comme ça, au moins... Oh, ça a l'air d'être un boss fight, en plus. Alors, Gin et Ichigo se retrouvent à nouveau face à face après leur dernière rencontre dans la Soul Society. Gin voit en Ichigo un gamin intéressant. D'accord, ok, ça défile pas. Alors, souvenez-vous, Gin et Ichigo ne se sont rencontrés qu'une seule fois quand Ichigo a essayé de passer pour la première fois les portes de la Soul Society. Il y avait Jinrambo qui gardait la porte et Ichigo a vaincu Jinrambo et c'est Gin qui est intervenu pour refermer la porte avant que Ichigo ait le temps de la traverser. Enfin, ouais. C'était ça, vous vous souvenez certainement, c'était vraiment lors du deuxième arc, enfin voilà quoi, c'était un bout de temps. Karine et Don Kanoji. Bon,
C'est ouais, on l'a pas vu. On l'a pas vu, Duncan Ng. Est-ce qu'on l'avait vu au début du... Oui, si, on avait dû le voir au début de la série, Duncan Ng. Mais on voit pas les épisodes hors série sur Duncan Ng. Hein, donc, enfin, dans le jeu, j'entends. Tu admirais le spectacle, Guine. Je n'admirais rien du tout. Mon intervention n'a semblé ni nécessaire ni opportune. Vraiment. Ok. Bon. Ah, j'ai l'impression par contre que chez Calab, ils sont fiers de leur comment de leur comment de leur décor, hein. Parce que les quêtes où on se balade dans les décors, ils aiment ça, hein. Enfin. Et c'est pour ça, mon idée que je disais pendant les deux épisodes hors série, là, épisode 30, épisode 31, ça serait bien de mettre un mode open world dans le jeu, où on se baladerait à travers les niveaux à volonté, on en ressortirait comme on veut, et on gagne juste les cristaux, des holos qu'on tue, et des les comment et l'expérience qui est proportionnelle aux holos qu'on a tués, mais voilà, ça pourrait être sympa. Avec un possibilité de rare drop sur voilà, pour pouvoir avoir des personnages 3 étoiles ou même seulement des 2 étoiles, on s'en fout. Mais voilà, un truc vraiment qui permet vraiment d'explorer le jeu vraiment librement. Ça serait cool. Parce que là, voilà, la plupart des niveaux, faut les finir en 3 minutes. Donc en 3 minutes, on essaie de se dépêcher, vu qu'on a un chrono, on essaie de se dépêcher, et en fait, bah, les décors, on les apprécie pas plus que ça, quoi. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas battu. Tu te souviens de notre dernier combat? Voilà, le fameux combat dont je vous parlais juste avant. Je me rappelle m'être dit que tu étais un gamin intéressant. Je m'en souviens pas. Pourquoi tu mens? Tu veux m'énerver? Non, c'est pas ça. Je me souviens de ton sabre, mais pas de ton cœur. D'habitude, j'arrive à cerner ce que pense mon adversaire. Je ne suis pas télépathe, mais je sens sa détermination s'il me respecte ou s'il me méprise, ce genre de choses. Plus mon adversaire est fort, plus je lis dans son cœur. Dans ton cas, je n'ai rien senti. Tu te battais contre moi, mais tu ne me regardais même pas. Je n'ai aucune idée de ce que tu regardais. Eh bien, je t'avais pris pour un gamin intéressant, mais tu es juste malsain. Tu peux parler. Voilà. Ginichimaru. Ah, plus là, j'ai revu le manga et je comprends pourquoi à l'époque où j'avais mon serveur Minecraft, un de mes admins avait choisi ça en pseudo Guine. C'est vrai que c'est un personnage intéressant dans Bleach. Alors, dis-moi, sais-tu jusqu'où peut s'allonger Shinso? Alors, Shinso, c'est le nom de son Zan Pacto, hein. Non, je n'en sais rien. Jusqu'à 100 fois sa longueur. D'ailleurs, quand j'étais petit, on m'avait surnommé Sans Lame. Tu me l'apprends. Et sais-tu de combien mon Bankai l'allonge? Et je suis pas venu pour un quiz. Oh, tu abandonnes déjà? C'est pas drôle. Bon, je vais te le dire avec une unité que tu comprends. 13 kilomètres. Je vais te montrer. Bankai. Kazushimi no Yari. Alors, est-ce qu'on a... Oh, on n'a pas le...
Ah, dommage, on n'a pas un screen où, comment, où justement il y a les bâtiments derrière lui qui s'effondrent. Il y a ce, comment, au moment où il utilise son bankai pour la première fois, Gin, où on le voit utiliser son. En fait, sa lame est derrière lui et il a fait s'écrouler mais tous les bâtiments qu'il y avait derrière lui. Un truc de ouf, quoi. Il a coupé la ville en deux, quoi, limite. Et. Ah, c'est dommage qu'il l'ait pas mis dans le jeu, ça. Dommage qu'ils aient pas mis un screen de ça. C'est un peu dommage. T'as l'air surpris. Je vois pas pourquoi un Bankai pourrait pas en arrêter un autre. Oui, voilà. Et Ichigo, donc, en fait, Gin, donc, il fait apparaître sa lame donc derrière lui. Et il fait un mouvement circulaire, en fait, pour essayer de découper Ichigo en deux. Et Ichigo, évidemment, avec son épée à lui, arrête l'épée de Gin. Voilà, c'est pour ça qu'un Bankai peut arrêter un autre Bankai. Il n'y a pas à dire, hein, t'es vraiment malsain. Bon, voilà. Excusez-moi. Hop. Ça va pas, tes mouvements ralentissent. Tu n'en peux déjà plus. Oui, on dirait bien. J'ai atteint mes limites de Shinigami. Comment? Mon âme se recombine. La volonté du Hokugyoku commence à comprendre mon cœur. Qu'est-ce que tu racontes? D'après toi, quel est le pouvoir du Hokugyoku? Son véritable pouvoir est d'absorber les désirs autour de lui et de les matérialiser. Comment? Bien sûr, le pouvoir du Hokugyoku a ses limites. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, donc petit appel. Bien sûr, le pouvoir du Hokugyoku a ses limites. Si ceux qui l'entourent n'ont pas la force d'aller jusqu'au bout, rien ne se réalise. Dans un sens, son pouvoir nous montre la voie de nos désirs. Mais les êtres sont étranges. Ils sont uniquement capables de réaliser ce que leur petit cœur désire. On va s'arrêter après ça. Hein. Tu l'as bien bloqué, pas mal, pour un coup de bol. C'est pas de la chance. Ichigo, toi la ferme. Je suis à deux doigts de l'avoir, me dérange pas. Désolé, capitaine Aizen. Je vous ai interrompu, non. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, et là, Kisuke apparaît. Ça faisait longtemps Kisuke Urahara. Voilà. Bon. Et puis, on va s'arrêter là. Donc sur ce, ben, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vais couper tout de suite parce que on va me rappeler, je le sens. Et puis ben sur ce, je vous dis à bientôt. Guine.